Bienvenue dans votre hebdo écho Le Parlement européen vient de voter une loi climat qui fixe l'objectif très ambitieux de réduire de 60% les émissions de CO2 à l'horizon 2030. Mais comment concilier économie et écologie La question se pose avec d'autant plus d'acuité en cette période de pandémie et de confinement. On va en débattre avec Pascal Éveillard, qui est le directeur construction durable à Saint-Gobain, et Pierre Victoria, qui est directeur du développement durable de Veolia. Alors Pascal Éveillard, tout d'abord... On est confiné. Euh, Expliquez-nous justement, vous, comment vous voyez la conciliation entre l'écologie et l'économie demain Pour nous, chez Saint-Gobain, l'écologie et l'économie sont parfaitement conciliables. Euh, parce que l'économie permet d'apporter des solutions aux enjeux écologiques. Et Saint-Gobain, typiquement, apporte des solutions en matière de réduction des consommations énergétiques ou des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Donc, ce sont des nouveaux marchés pour les entreprises. Et d'autre part, ce sont aussi des opportunités d'innovation. Ça va amener le monde économique, le monde de l'entreprise, à se réinventer, à innover, à changer ses processus, à se digitaliser davantage, à amener de nouveaux types de services à ses clients et aux consommateurs. Donc, c'est une transformation de l'économie. Pour, une, pour plus d'écologie, mais ce n'est pas la disparition de l'économie. Au contraire. Qu'est-ce que ça va changer, ce confinement Est-ce que ça va accélérer cette transition Ce qu'on avait vu, en tout cas, après le premier confinement, alors là, on va voir ce que va donner le deuxième confinement probablement qu'il aura aussi un impact sur l'économie. Espérons que ce sera un impact moindre. A priori, il sera moins sévère, l'économie va pouvoir continuer à fonctionner euh, davantage que lors du premier confinement. En tout cas, ce qu'on avait vu à l'issue du premier confinement, c'est que euh, les gens avaient vraiment des attentes très fortes en matière d'écologie et en matière euh, d'habitat. Euh, avoir été confiné pendant plusieurs mois euh, chez soi dans des, dans des logements ou dans des habitats pas forcément toujours très confortables ou pas toujours très adaptés a fait prendre conscience de l'importance du cadre de vie. Du coup, on a vu énormément de projets, de réhabilitation, de rénovation, d'aménagement, d'amélioration du cadre de vie intérieur. Et beaucoup de gens aussi qui ont acheté justement de des outils de décoration, acheté. qui ont refait, ou qui ont comme acheté des de de nouveaux meubles, voilà, ou qui, qui se sont créés des, des résidences secondaires et qui ou qui des les appartements aménagent. avec des terrasses, tout, qui à, ont fait. Été tout aussi, à fait, plus ouais. recherchés aussi. Et le, le lien également entre l'impact sur la santé. De, des transformations de l'environnement est devenu beaucoup plus évident pour la plupart des gens. Enfin, nous, on, on a fait une grande étude dans, dans tous nos pays. C'est quelque chose qui est ressorti extrêmement profondément. Les gens se, se sont rendus compte que protéger la planète, c'était aussi protéger les hommes, protéger la vie. Et cette prise de conscience va durer. Pierre-Victoria, c'est votre avis aussi. Et puis, quel, quel, pour vous, quel va être l'impact de ce nouveau confinement sur l'économie D'abord, sur la question de, de l'écologie, vous parliez des décisions de, du Parlement européen. Je pense qu'effectivement, on rentre dans une période où le monde de demain ne sera pas comme le monde d'hier et où la question environnementale va être au cœur du bien-être des personnes. Puis quand on voit le chiffre, 60% d'émissions en moins d'ici 2030, c'est dans 10 ans. Effectivement, ce sont des objectifs très ambitieux qui montrent aussi qu'il faut engager cette transition rapidement et de manière très forte. Oui, ce sont des objectifs ambitieux, c'est des objectifs aussi possibles. Mais pour ça, il faut beaucoup de mobilisation. Alors, nous, euh, sur la question, bon, Veolia veut se définir comme le, le leader de la transformation écologique, ce qui est une grande ambition. C'est en tous les cas au cœur de son plan stratégique. Euh, ça veut dire pour nous, bien évidemment, être acteur de la lutte contre le changement climatique. On pourra peut-être y, y revenir. Euh, C'est aussi euh, intégrer les questions de biodiversité dont nous avons parlé euh, ces jours-ci euh, à, à, à Bordeaux et du lien entre le climat et la biodiversité. Au sommet et, sur l'économie à impact positif, hein, le World Impact Summit. Tout aujourd'hui était de plus en plus lié. Vous posiez la question par rapport à la crise, mais je pense que ce que la, la crise fait, c'est qu'elle réunit beaucoup de sujets qui étaient peut-être épars jusqu'à présent et traités en silo. Aujourd'hui, on ne peut pas traiter le sujet du climat sans sujet de la biodiversité. Et puis, nous, on essaye d'y apporter une touche toute particulière qui est la question d'économie circulaire, c'est-à-dire tout simplement de dire que la meilleure façon de lutter contre le changement climatique et aussi de protéger la biodiversité, c'est de réutiliser, c'est-à-dire de faire en sorte que les matières soient récupérées, que l'énergie, l'incinération des ordures ménagères ou la gestion des décharges créer des nouvelles ressources pour chauffer tout ce qu'on pourra être acte, ce qu'on appelle un peu dans le domaine du développement durable un acteur du découplage c'est-à-dire faire en sorte que on puisse découpler la réponse aux besoins des personnes et des industriels des prélèvements sur les ressources tout ce qui se fera et notamment via l'innovation permettra de répondre aux défis de la planète pour vous, quels sont les axes, justement, les clés de réussite de cette transition écologique de, pour faire en sorte justement de mieux concilier l'économie, l'écologie Et comment au sein de Veolia, vous essayez de, de faire en sorte justement de réconcilier ce qui paraissait jusque-là un peu inconciliable D'abord, vous savez, Malthus disait il y a très longtemps, économiste anglais, qu'on ne serait, pourrait pas être très nombreux sur la planète, mais il avait oublié une chose, c'est la question d'innovation. Donc, je pense que c'est vraiment la question d'innovation qui est qui est au cœur de la, de la réponse. Et l'innovation, elles sont de toutes sortes. Hein. Je, je voyais à, avec mes collègues de Bordeaux quand on voit qu'on utilise des drones pour regarder et pour vérifier que les installations de, 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 de des bassins de rétention sont en bon état, ou lorsque on utilise la la la, la, la nature comme traceur en fait des pollution, que ce soit la faune et la flore plutôt que de faire... De... On voit bien qu'innovation elle, elle est partout aujourd'hui. Et c'est vraiment à travers l'innovation qu'on arrivera à le faire. Il y a un exemple que j'aime bien parce que je trouve qu'il est, il est très, très symptomatique. Aujourd'hui, dans plusieurs villes de France, on chauffe les piscines à travers les réseaux d'assainissement. Qui aurait pensé ça il y a quelques années C'est-à-dire que la chaleur de l'eau usée suffit aujourd'hui à, à, à faire des économies d'énergie et apporter un confort en plus maximum puisqu'on est sur des, des températures également constantes. Donc c'est vraiment l'innovation qui est au cœur du monde de demain, oui. Quelles sont les innovations que vous voyez vous demain de cet ordre qui, qui vont changer justement notre quotidien et aussi notre cadre de vie, la manière dont on va habiter les logements Alors d'abord, je dirais que je pense que les innovations, elles s'inventent au niveau territorial. C'est au niveau local que les choses se construisent, beaucoup plus qu'ailleurs. Il se trouve que nous, on est des gestionnaires de ressources de proximité. Hein, l'eau, les déchets ou l'énergie, puisqu'on fait beaucoup d'énergie à l'international, sont toujours des ressources de proximité pour des clients de proximité. Je crois que l'enjeu pour nous, c'est vraiment de connecter en fait, des services qui jusqu'à présent étaient déconnectés. Ce que je disais sur l'eau par bah, rapport au, à l'énergie à partir de l'assainissement, mais bien évidemment, les ordures ménagères pensaient que l'incinération aujourd'hui ne peut pas se faire sans sans faire de la chaleur ou de l'électricité enfin que tout, tout est dans tout et essayer de lier ces, ces fonctions là pour créer des en fait des, des, des sortes de boucles locales sous la responsabilité des territoires entre euh, les services énergétiques, les services des déchets et les services de l'eau. C'est vraiment ça ce qui est au cœur de notre révolution et c'est aussi avoir un nouveau regard sur les territoires. C'est que je pense par exemple dans le domaine de l'eau euh, que tant qu'on voit qu'il y a des, des que par exemple que le, les eaux usées produisent des nouvelles ressources qui permettent d'être utilisés par des nouveaux acteurs, par exemple le secteur industriel ou le secteur agricole, c'est en ayant ce regard et cet échange entre les différents acteurs économiques et politiques, je pense qu'on inventera le monde de demain. – Pascal Éveilleur, vous êtes directeur construction durable à Saint-Gobain, qu'est-ce qu'on met derrière justement ce terme construction durable et qu'est-ce que ça signifie concrètement, à quoi ça va ressembler encore plus demain cette construction durable ?– Ça fait faire écho à ce que Pierre vient de dire, une construction durable ou plus durable, c'est une, cons une construction qui consomme moins d'énergie, qui émet moins de gaz à effet de serre, qui consomme moins de ressources je pense que l'aspect des ressources c'est à côté de la problématique du climat en effet une problématique extrêmement importante donc utiliser davantage de matériaux biosourcés davantage de matériaux recyclés avoir des bâtiments qui durent plus longtemps une construction durable va durer encore plus longtemps sera beaucoup plus flexible, beaucoup plus modulable on pourra la transformer au fil du temps passer beaucoup plus facilement d'une un, occupation bureau à une occupation logement sans générer euh, des travaux et, et des dépenses de ressources trop importantes on va y gagner des... combien d'années à peu près euh... à ce, ce stade Déjà, les bâtiments vivent longtemps, mais là, l'idée, c'est que on voit souvent des bâtiments tertiaires qui sont déconstruits, abattus au bout de 40, 40-50 ans. Là, on pourra imaginer aller beaucoup plus loin, avoir des bâtiments qui dureront des, des siècles, parce que on, on sera, on sera très facilement en faire changer la destination. Et en fin de vie, ce sont des bâtiments plus facilement déconstructibles, donc des bâtiments dans lesquels on pourra récupérer plus facilement les différents composants, soit pour les réutiliser à l'identique, soit pour les recycler. Donc, vraiment, une économie dans laquelle on va boucler. La boucle de, des ressources et le troisième aspect qui est très important l'environnement c'est bien sûr une dimension essentielle mais il faut la mettre en regard de toute la partie qui concerne les hommes et donc ce sont des bâtiments ce sont des bâtiments plus sains plus confortables qui apportent vraiment un bien-être euh, aux occupants et, et ça sur l'ensemble de, de la durée de vie du bâtiment donc ces deux composantes environnementale et bien-être Santé sont les principales caractéristiques du bâtiment durable. Alors, à quoi va ressembler justement en termes de bien-être euh, demain notre logement Le bien-être, ça va être la capacité d'avoir des, des, des logements, en particulier avec le changement climatique où il va faire de plus en plus chaud des bâtiments, il, feront, il fera bon thermiquement où on n'aura ni trop chaud ni trop froid, donc une bonne température euh, tout au long de l'année. <laughs> Des bâtiments parfaitement isolés du bruit, aussi bien du bruit extérieur que du bruit intérieur. Des bâtiments également avec ce que nous on appelle le, la qualité visuelle bénéficiant de beaucoup d'apports de, de lumière naturelle. Lumière naturelle, c'est absolument essentiel à l'équilibre individuel. Donc le maximum de, de lumière naturelle et également la vue vers l'extérieur. Pouvoir avoir la vue vers les paysages, vers l'extérieur, c'est également quelque chose d'extrêmement important pour le moral. Et la quatrième dimension sur, sur le confort qu'on qu associe à la qualité de l'environnement intérieur, c'est tout ce qui est l'absence de pollution intérieure. Euh, on n'imagine pas que les logements, les bâtiments dans lesquels on passe 90% de nos temps, de notre sont plus pollués que euh, l'air extérieur. Donc il y a un énorme enjeu également à faire en sorte que ces, ces environnements intérieurs soient de plus en plus sains, à la fois par euh, de, de meilleurs euh, systèmes de ventilation, mais également par l'usage de produits et de matériaux euh, non émissifs, euh, dépourvus de, de substances dangereuses. Parce qu'en fait, on a des marges de progression, on s'en rend pas compte, mais qui sont conséquentes. Le, par exemple, sur la production de béton, c'est 8% des émissions de CO2 dans le monde. Bah, c'est colossal. Hein le monde de la construction aujourd'hui, à l'échelle mondiale, c'est plus de 30% de l'empreinte carbone. Donc principalement par les usages, à peu près les trois quarts de, de, des émissions liées aux bâtiments sont liées à l'usage. Donc c'est pour le chauffage, la climatisation ou l'éclairage. Et un quart, c'est lié aux matériaux qui sont utilisés. Donc, dans, dans les pays émergents, on construit énormément euh, tous les matériaux de construction. C'est à la fois euh, des sources d'émissions de, de carbone co euh, considérables. faut réaliser que la Chine, en trois ans, euh, dans, dans la dernière décennie, a consommé plus de béton que les États-Unis en un siècle. Donc, ça donne une idée de, de l'ampleur euh, de, de la consommation et des émissions associées. Euh, mais euh, que, comme vous dites, les solutions existent pour faire euh, du béton bas carbone, pour faire des produits bas carbone. Et c'est un des axes chez lesquels Saint-Gobain, euh, chez Saint-Gobain, on travaille énormément. On engagé à être une entreprise neutre carbone à horizon 2050 on va on a des, des, des objectifs pour 2025 pour 2030 extrêmement ambitieux donc on se met vraiment sur une, sur une tendance euh, très, très 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 volontariste pour faire baisser nos propres émissions de, de gaz à effet de serre et par voie de conséquence baisser l'empreinte carbone de nos propres matériaux citez-nous tous les deux un projet innovant euh, sur le territoire français euh, qui pour vous paraît un peu remarquable et symbolique de justement cette transition et cette meilleure conciliation entre l'économie et l'écologie. Je, je pense que c'est pas un projet en particulier mais si on se réfère à pour reprendre votre sujet introductif qui était le, le plan annoncé à Bruxelles. La semaine dernière, il y a eu l'annonce de ce qu'ils ont appelé la Rénovation Wave, la vague de rénovation. Je pense qu'on va voir et on commence à voir à l'échelle de quartier des plans extrêmement ambitieux de, de rénovation des, des, des bâtiments. Donc la transformation du cadre de vie à l'échelle de quartier mis en œuvre par les villes est quelque chose qui va être extrêmement impactant. Ça va être visible par les par les, les citoyens. Euh, ça va changer le, le, le cadre de vie. Les villes seront plus belles, les habitats seront plus confortables et euh, on sera tous gagnants à l'arrivée parce que ça va aussi créer de l'emploi. Chaque chaque million d'euros investi dans la rénovation énergétique, c'est 18 emplois créés. Donc euh, euh, en termes de, de, de relance économique, ce sera tout à fait profitable. Et, euh, et c'est donc une excellente nouvelle que ce qui a été annoncé à Bruxelles ces dernières semaines. Pierre-Victoria eh euh, J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets en tête. Ça sera nécessairement un projet d'économie circulaire. Alors je pense un qui est intéressant, je trouve, c'est le travail qu'on est en train de faire avec le monde agricole pour réutiliser là aussi ce qu'il y a dans les eaux usées pour en faire des fertilisants et d'autre part avoir une phénomène d'économie circulaire pour toute la réutilisation des déchets alimentaires, et voir comment on peut là aussi les transformer en fertilisants et faire une sorte de boucle d'économie circulaire dans le monde agricole, ce qui est assez étonnant, mais qui pourrait à mon avis être tout à fait porteur d'avenir. Donc c'est vraiment cette capacité à réutiliser les choses, faire en sorte que les déchets des uns deviennent des ressources de demain, qui me semble en tous les cas les projets sur lesquels il y a plus d'innovation au niveau des territoires et au niveau local, et qui sont plus le porteurs d'arnir pour répondre aux enjeux environnementaux auxquels on est confronté. Merci beaucoup à tous les deux, parce que vous nous avez montré qu'on peut concrètement concilier économie et écologie demain et qu'on a effectivement de belles marges de manœuvre et que l'innovation va nous aider à y parvenir. À très bientôt sur TV7.